j'espère que vous allez bien. Je commence ce petit vlog dans la salle de bain. Aujourd'hui c'est le grand départ, on part à la montagne. Donc j'ai décidé de vous faire un petit vlog de cette semaine. J'espère que ça vous plaira et je vais vous partager mes premiers pas dans la neige, puisque c'est la première fois que je vais à la montagne, et les premiers pas de Ria dans la neige aussi. J'espère que cette vidéo vous plaira. Là on a environ 6 heures de route qui nous attendent. J'ai trop hâte d'arriver, de vous faire visiter le chalet et de vous faire suivre cette petite semaine. 1, 2, 3, fuck it. Et nous sommes arrivés. C'est lourd. Oh, il neige un peu. Il fait super beau aujourd'hui. Donc du coup là vous le voyez mieux, ça c'est notre chalet. Donc en fait nous on a une partie d'un côté et après on a des voisins de l'autre côté. C'est la neige ma belle, t'aimes bien? Non, t'as pas là. Ma tête de pas réveillée du matin, mais regardez il va faire beau. En plus il y a des tout petits flocons. Normalement aujourd'hui il va neiger. On va avoir de la belle neige. Vraiment une tête de pas réveillée. Ça je vous l'ai déjà dit. Hein. De toute manière quand on a un chien on n'a pas le temps de se réveiller avant de le sortir. Surtout Ria, dès qu'elle est réveillée, là c'est fini. Elle va nous sauter dessus, elle va nous lécher le visage jusqu'à ce qu'on se lève. Ça c'est sûr. Elle a mis son petit manteau pour pas avoir froid. On a été récupérer le matériel, on va charger la voiture. Là ça commence à bien neiger, c'est tout blanc. Mimi dans la neige. Alors là quand tu montes à la ski, faut que tu sois presque un peu comme ça toi. Là, je suis KO. Donc j'ai fait mes premières descentes ce matin, donc ça va, pas trop de chute pour l'instant. Comme pour l'instant j'avais pas de ski pass, en fait à un moment on est passé à deux avec un ski pass pour reprendre une remontée et donc on s'est fait engueuler, donc je me suis fait dégager. Mais bon c'est pas grave parce que de toute manière en fait c'était surtout pour essayer et pour voir si je prenais un ski pass pour les autres jours. Là je suis crevée, donc déjà en plus j'ai hyper chaud, je me suis beaucoup trop couverte, en plus j'avais ma polaire et tout, j'ai trop trop chaud. Donc du coup j'ai laissé mon moniteur aller faire son ski et là moi je suis rentrée au chalet. Donc en fait la piste est juste là, là où je me suis entraînée, et là du coup bah, on a le chalet juste à côté. Sauf que la maman de mon chéri est partie se balader avec Ria et que je n'ai pas pris le double des clés. Donc je suis actuellement à la rue en chaussures de ski. Donc en plus je peux même pas aller les rejoindre parce que c'est pas pratique. J'ai mes skis qui sont là. Bref, une galère, une galère. J'ai oublié de prendre le double et du coup je suis sans chalet fixe. Et encore j'ai récupéré mon téléphone parce que j'ai mon chéri qui est passé sur la piste juste à côté. Je l'ai rattrapé en disant j'ai pas les clés et tout parce que c'est lui qui avait mon téléphone. Donc bon, je vais essayer d'appeler la maman de mon chéri et de toute manière on va pas tarder à aller manger. Et cet après-midi je pense aller faire une balade avec Ria parce que là c'est bon, j'ai eu ma dose de ski pour la journée. Là j'ai déjà un peu mal aux pattes. Et en fait le temps est pas super clair,
Donc on m'a dit que c'était pas non plus les meilleures conditions pour apprendre à skier. Mais ça va, je trouve que je me débrouille pas trop mal, malgré un début un petit peu galère parce qu'on partait vraiment de zéro. Et je suis rouge. Oh, ça se voit pas trop. Mais j'ai tellement chaud. C'est fatigant, c'est pas des vacances en fait, c'est du sport. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on dit les sports d'hiver. Et je pense même qu'en fait, je vais me déchausser là. Parce que là, j'ai un peu mal aux pattes. Je pense que je vais me mettre là, je vais enlever les chaussures, je vais me poser, je vais attendre en fait. Ouais, je vais faire ça. C'est ça ou je m'assois dans la neige. J'espère qu'ils vont pas tarder. Fini de manger la neige. C'est quoi ça, regarde, c'est un gros glaçon ça. Super, elle rentre toute seule au chalet. Même pas, elle m'attend. Non mais... il va faire beau aujourd'hui. Là, on a le jacuzzi et le sauna qui est juste ici. Ah là là, trop trop bien. À ce soir, petit jacuzzi. Maintenant, petit moment de détente, je vais aller dans le jacuzzi. Hello, c'est le matin, un petit peu fatiguée encore, avec Ria qui m'a sorti du lit à 7h. J'ai une voix de je ne suis pas réveillée, mais par contre c'est tellement agréable de la sortir le matin, il n'y a personne, c'est calme et le silence, oh, j'adore. Un peu moins de neige ce matin, hier là il y avait plein de neige, là ça a fondu un peu. Et normalement il va reneiger un peu aujourd'hui. Et aujourd'hui je vais refaire du ski, allez vas-y cours. Non, là, c'est pas chez nous. Prête pour aller skier? Let's go! Allez, va courir un petit peu. Ça, c'est un reste de petit bonhomme de neige. C'est le départ. On a tout rangé. Là, on va mettre les sacs dans la voiture.
et on s'en va. La pause. Voilà pour le petit résumé vidéo de cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !